qu'il s'agit véritablement d'étudier en même temps qu'on le produit et de voir, alors là, l'immodestie est totale, mais c'est des trucs d'excellence, hein, donc il faut y aller, d'essayer d'évaluer aussi quels seront les produits, le produit de ce que l'on fait dans l'espace social. Parce que, bien évidemment, en prenant un tel objet, nous avons une ambition modeste. Hein. C'est de produire des effets dans l'espace social, au-delà simplement de la littérature scientifique. Ben oui, bien sûr, et ça sera un des volets sur lequel je vais revenir. Alors, trois dimensions, bien sûr, étroitement articulées, qui sont la recherche, l'enseignement et la diffusion valorisation. Et j'ai essayé de vous l'indiquer déjà dans cette introduction, avec une thématique, non pas une thématique, mais une orientation, un fil conducteur qui sera le nôtre. Je ne vais pas complètement suivre le diaporama, parce que comme ça, qui sera le nôtre et qui sera, je l'espère, le vôtre. Et c'est en ce sens-là qu'on peut déjà dire qu'on est dans un projet collaboratif. Ça a été souligné ce matin et j'y reviens avec insistance. C'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a des historiens, des sociologues, des politistes, des anthropologues, il y a même un psychiatre. Il y a tout un tas de disciplines différentes qui vont être représentées et qui auront à voir un objet. C'est de travailler ensemble et d'essayer en même temps que l'on définit ces objets sur lesquels on va travailler, de penser la nature même de ce rapport, de cette pluridisciplinarité. Alors, disciplinaire, mais pas simplement une pluralité disciplinaire, aussi une pluralité des aires culturelles. Il n'y a pas raison que finalement que seule l'Europe soit représentée. Les aires culturelles ont leur place intégrale dans ce dispositif, que ce soit l'Amérique, les Amériques, l'Asie, le monde russe, l'Afrique. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait essentiel que le travail qui se fera sur le politique, sur l'État, inclut non pas des experts de chaque ère culturelle, mais inclut tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, indépendamment qu'ils soient situés sur une ère culturelle ou pas sur une ère culturelle précise. Donc ça veut dire d'emblée qu'il s'agit de penser, en même temps qu'on fait ces recherches, de théoriser les liens interdisciplinaires et les liens entre les aires culturelles. Le deuxième aspect, qui sera le fil conducteur, je l'espère, du travail collaboratif que nous ferons ensemble, consiste à penser comment, je le disais tout à l'heure en introduction immodeste, comment ouvrir ces recherches sur le monde social, comment ouvrir la recherche sur ceux qui peuvent être intéressés par cela et qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'être en contact directement avec, non seulement les chercheurs, mais les productions de la recherche. Il s'agit donc d'imaginer aussi comment nos étudiants ne feront pas que de la recherche, ne seront pas nécessairement que des enseignants-chercheurs, qui peuvent aussi, et c'est pour ça que je dirais que le partenariat avec l'ENA est là encore extrêmement important, peuvent être aussi des gens qui vont aller dans d'autres carrières. L'enjeu étant de montrer aussi comment la formation à la recherche est une formation, pour prendre un mot qui n'est pas galvaudé aujourd'hui, est une formation d'excellence dans le monde contemporain. Alors, comment il va se subdiviser, l'ensemble du programme TEPSIS? D'abord, la recherche. On dispose de 21 contrats postdoctoraux sur 8 ans et des contrats de préfiguration. Imaginez, à chaque fois que j'évoque les pistes qui sont derrière moi, c'est aussi pour essayer de voir avec vous, parce qu'on espère beaucoup de la discussion, comment chacun peut se sentir impliqué dans ce projet et la contribution qu'il peut amener. Les contrats de préfiguration, c'est quoi? C'est un montant annuel, 35 000 euros, qui permet d'imaginer, initier une recherche, sa faisabilité, et qui permet surtout de commencer à financer ou à préfinancer quelque chose qui, autrement, ne trouverait pas les financements nécessaires. Alors bien sûr, c'est dans l'idée, à la suite de cela, de déposer un projet NR ou autre. Mais c'est aussi une opportunité, parce qu'on sait aussi très bien que le financement de la recherche aujourd'hui est tel qu'un certain nombre de thématiques, pourtant extrêmement intéressantes et extrêmement riches, ne trouvent pas des financements. L'objectif, je vous le disais depuis le début, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Qu'est-ce que l'on peut faire qu'on n'aurait pas pu faire sans? Eh bien déjà là, il y a un élément. Il s'agit de sélectionner, alors bien sûr, les montants sont modestes.
Ils sont à diviser par 250, si c'est ça votre inquiétude. Bien sûr que non, on ne sait pas de combien à combien. Mais en tous les cas, il s'agit d'imaginer quelque chose qui initie là où, justement, jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, c'est plus difficile. Il y a aussi des postdoctorants étrangers qui viendront grâce à un partenariat avec la FMSH. Sur l'enseignement, on a 18 contrats doctoraux qui vont nous permettre de créer aussi ce qu'on va appeler un parcours TEPSIS, qui va être centré sur la pluridisciplinarité, sur une mobilité internationale. Alors, ça veut dire quoi la pluridisciplinarité? Ça veut dire qu'il y aura un certain nombre d'exigences dans ce parcours doctoral, dont notamment celle d'aller se former à une autre discipline que celle dans laquelle le doctorant est inscrit. Discipline, bien sûr, qui a trait avec les sciences historiques et sociales du politique, mais vous pouvez voir que c'est pas très difficile, le champ est quand même très large. Une mobilité internationale, alors Juliette le rappelait tout à l'heure, sur le modèle, mais pas exclusivement, de ce que nous avons déjà commencé à mettre en place avec l'Université de Saint-Louis et l'Université d'Amsterdam, qui sera financée en plus du contrat doctoral. Et enfin, la participation à ce fameux séminaire de l'encyclopédie dont on va vous parler tout à l'heure. Vous voyez, on vous en fait la bande-annonce régulièrement de cette encyclopédie, qui sera finalement... du moins, c'est ce que nous souhaitons, un lieu central de TEPSIS où se forgent non seulement l'encyclopédie et les produits dérivés de l'encyclopédie, mais aussi cette façon de travailler ensemble que nous avons envie de créer. Ça sera quasiment le laboratoire au sens premier du terme, ou la fabrique de TEPSIS qui se fera à l'intérieur de ce dispositif, d'où aussi la nécessité que le parcours TEPSIS du doctorat passe par là. Nous allons aussi mettre en place des ateliers internationaux et quelque chose qui nous semble tout à fait essentiel là, un job market qui permet d'imaginer ce dont on parlait au début, des débouchés originaux pour les étudiants qui voudront s'inscrire dans ce parcours. Enfin, le dernier point que je voudrais souligner là, c'est celui de la valorisation. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la valorisation, c'est aussi quelque chose qui est à la fois important et souvent agaçant, dans les demandes qui nous sont faites, de justifier au fond régulièrement en quoi notre travail de chercheur est utile à d'autres. On aimerait bien souvent que ce soit les autres qui nous disent à quel point ce que l'on fait leur est utile. Mais c'est pas comme ça que la donne est posée. La plupart du temps, il faut anticiper. Il faut anticiper cela, et ça, me semble-t-il, un intérêt tout à fait significatif pour nous. Tout à fait significatif parce que, justement, comme je vous le disais, si on a cette idée que, avec ce nouveau dispositif, on est peut-être en mesure de faire quelque chose qui, sans s'inscrire nécessairement dans la durée, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est 8 ans au niveau de la recherche, c'est pas long, finalement, c'est court, c'est un dispositif éphémère voué à s'autodétruire au bout d'un certain temps, et tout en laissant en place un certain nombre de choses, de constructions essentielles qu'il aura pu installer. Ça, je trouve que c'est un challenge extrêmement fort, extrêmement intéressant. Le dispositif sert à mettre en place des choses qui devront rester sans le dispositif. C'est assez innovant. D'habitude, c'est l'inverse. On met des choses en place avec un dispositif, les choses disparaissent, le dispositif est là. C'est d'une lourdeur absolue. Vous voyez qu'est-ce que je décris là. Eh bien, ça, nous voulons justement l'éviter, et ce handicap qui est d'avoir un projet sur 8 ans peut devenir notre force par rapport à cela. Donc, 3 niveaux de la diffusion scientifique, 3 niveaux classiques, la diffusion scientifique de très haut niveau, mais ça, TEPSIS n'a pas besoin de l'apprendre aux gens qui en font partie. Tout le monde sait comment on publie dans une revue de grande qualité avec Impact Factor et autre chose, et nous n'allons bien évidemment pas négliger cela. Mais nous n'allons pas faire que cela non plus. Et si on a envie que les résultats de la recherche, mais plus encore que les résultats, le travail de la recherche soit visible, il faut imaginer être au plus près, pas seulement des attentes, mais de ce qui peut être utile aussi à d'autres catégories. Je pense bien sûr
à un public plus large, mais aussi à des décideurs, à des chefs d'entreprise, à des responsables politiques, de faire en sorte qu'ils puissent, d'une certaine manière, prendre la mesure de ce dont nous sommes absolument convaincus les uns et les autres, c'est que notre travail a un intérêt immédiat dans l'espace de la société. Et précisément, lorsqu'on travaille sur des questions politiques, il s'agit bien d'imaginer, en courant, notre travail produit des effets aussi sur les objets qu'il étudie. Donc vous voyez, c'est faire de la recherche et diffuser le travail de la recherche immédiatement, le plus tôt possible, presque en direct, mais pas comme les journalistes, justement, sans décrier le travail des journalistes, mais bien en montrant autre chose, en sortant peut-être aussi d'une position strictement expertale dans laquelle on a envie de laisser les chercheurs et les intellectuels, et plus dans une position de problématiseur, de ceux qui vont aider à penser comment l'on pense, et pas simplement qu'est-ce que l'on pense et comment faut-il penser. L'objet principal de cette diffusion, de cette valorisation et de cette rencontre, je dirais, avec les différentes catégories de la société qui ne sont pas des chercheurs, ça va être d'essayer de partager avec eux nos outils de pensée et pour aussi arriver à faire comprendre aux gens que penser, pardonnez-moi cette formule, c'est loin d'être idiot et loin d'être inutile et que ce n'est pas simplement pour obtenir des résultats que l'on pense, mais l'on pense aussi pour construire les objets sur lesquels on travaille et la façon qu'on a de vivre. Ce qui peut nous intéresser en tant que politistes, sociologues, juristes et historiens, c'est effectivement cet axe sur la fragilité, les fragilités nouvelles de l'État, ou en tout cas ce qu'on peut définir comme tel. Pourquoi c'est intéressant? Parce que effectivement, c'est pleinement pluridisciplinaire, c'est pas simplement une intention, c'est déjà pluridisciplinaire, c'est déjà énormément travaillé, et donc toute la question de savoir ce que peut apporter TEPSIS sur ces questions-là est effectivement centrale. Hein. Y a beaucoup, beaucoup de choses sur les nouvelles fragilités de l'État. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a assez peu d'accords, finalement. Hein. Il y a beaucoup de controverses sur ces questions-là, des controverses qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, entre disciplines, mais à l'intérieur même des disciplines. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Par exemple, il y a des désaccords sur la définition même des problèmes. Est-ce qu'il y a réellement une transformation de l'État? Ce que disent certains, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un numéro de la Revue française de sociologie qui est paru sur cette question de l'État et des recompositions de l'État, qui mêle justement des sociologues, des politistes, des juristes et des historiens, hein, je crois que c'est Sarah Gainsburger en l'occurrence, et qui vient justement sur ces questions et qui montre comment, pour certains, il n'y a que, au fond, un épiphénomène, que ce qu'on appelle le tournant néolibéral, l'affaiblissement de l'État, etc., et qu'il faut travailler, la division du travail qui continue, etc., et il y a un retour d'ailleurs dans la controverse de quelqu'un qu'on connaissait bien à Paris, hein, qui est Pierre Birnbaum, qui avait travaillé sur l'État fort. Donc voilà, ça fait c'est une question aussi de revenir sur peut-être une histoire ancienne de nos institutions. Birnbaum s'opposant là en l'occurrence à une vision des politiques publiques, de l'action publique très épiphénoménale, qui ne nous dit pas grand-chose finalement de ce qu'est l'État, et qui finalement pas besoin d'aller voir l'activité, hein, mais plutôt des propriétés, la division du travail, etc. Bon, voilà. Donc une première controverse sur lequel je pense on pourrait avoir des choses à dire la question, deuxième controverse possible, sur est-ce qu'il y a effectivement un affaiblissement du périmètre ou un rétrécissement du périmètre de l'État, ou au contraire une recomposition de l'État, une recentralisation autour de quelques secteurs, voilà des questions qui sont par exemple des secteurs financiers, quelques agences de politique publique, voilà des questions qui sont aussi intéressantes et qui sont déjà travaillées et qui vont être continuées à l'être. Des questions sur évidemment la transformation des élites. On a parlé tout à l'heure de l'ENA et cette question-là est déjà un petit peu engagée. Hein. Qu'est-ce que fait l'Europe ou les transformations actuelles de l'État à la formation des énarques, par exemple? Voilà des questions qui peuvent être retravaillées au sein de TEPSIS. Il y a déjà des projets engagés. Je crois qu'il y a un
ce qu'on appelle un joint programme avec un Strasbourg. Alors c'est pas un LABEC, je crois, d'après ce qu'on m'a dit dernièrement, c'est un PROJEX, une nouvelle catégorie. Et il y a déjà un séminaire du labo qui est engagé, opérationnel, avec l'idée qu'on va faire des enquêtes sur l'émergence éventuelle d'une élite européenne, les circulations, ce que fait l'Europe, par exemple, à la transformation de ce personnel, etc. Donc là, voilà des projets déjà organisés. On est parti, on a essayé de partir d'objets, de questionnements pour rendre un peu empirique et amener le débat dont Brigitte parlait justement, qui sera, je pense, essentiel dans la manière dont on fera vivre ces questionnements. Donc il s'agisse par exemple de la création de syndicats de magistrats en France ou en Italie à la fin des années 60, qu'il s'agisse des mobilisations actuelles pour ou contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en France ou aux États-Unis, qu'il s'agisse dans un autre type de débat, des débats sur le rôle des médias, par exemple dans les campagnes électorales dans de nombreux pays. Voilà autant d'exemples très simples qui peuvent donner lieu à une analyse en termes de politisation des sociétés, ou en tout cas de nouveaux débats au sein des sociétés. À l'inverse, la hausse des taux d'abstention, la difficulté à trouver des candidats pour certaines élections, ou la diminution des effectifs des partis politiques sont classiquement et symétriquement rangés sous la bannière du terme de dépolitisation. L'objectif de cet axe de TEPSI, c'est d'interroger, sous l'intitulé « Politisation des sociétés », les manières dont les acteurs sociaux se saisissent de la ou des politiques, en s'intéressant tout particulièrement aux temporalités, aux inscriptions territorialisées et aux modalités concrètes de ces politisations. Alors, ce terme de politisation en sens social a été enrichi il y a quelques années par un ouvrage collectif auquel ont participé d'ailleurs plusieurs membres du LABEX, en particulier des collègues de sciences politiques de Paris 1. C'était un ouvrage dirigé par Jacques Lagroix et qui s'intitulait « La politisation ». Il me semble que l'article que Lagroix y a consacré au processus de politisation constitue une forme d'introduction au chantier que nous souhaitons engager sur ce thème au sein de TEPSIS, notamment parce qu'il articule analyse critique des usages sociaux du terme, prise en compte de l'historicité des phénomènes qui nous préoccupent particulièrement dans ce LABEX, et l'ancrage empirique de leur saisie. Dans la définition de la politisation proposée par Lagroix, celle-ci procède, je cite, d'une requalification des activités sociales les plus diverses, requalification qui résulte d'un accord pratique entre des agents sociaux enclins pour de multiples raisons à transgresser ou à remettre en cause la différenciation des espaces d'activité. La politisation est dans cette perspective un processus donc qui transgresse la distinction des ordres institués en société et notamment celle qui sépare activité politique et non politique. Le terme peut être employé pour déterminer différents types de processus. Il peut décrire le détournement des objectifs énoncés ou affichés d'activité sociale au profit d'organisations politiques ou d'élus, par exemple lorsqu'on stigmatise de cette manière la politisation jugée excessive d'associations ou de syndicats. Il peut aussi renvoyer à une prise de conscience de certains acteurs de la portée politique de leurs activités, par exemple dans certains milieux professionnels, dans certaines conjonctures historiques, comme les juges, les travailleurs sociaux ou les enseignants dans les années 70, par exemple. Le terme politisation désigne donc une grande diversité de phénomènes avec une connotation, je l'évoquais, qui peut ou non être négative, et une diversité qui va donc de la politisation comme inféodation à des enjeux politiques, à la politisation comme inscription d'un nouveau problème, par exemple d'origine sociale, médicale, culturelle, voire technique, dans le débat politique. Ce qui caractérise tous les processus de politisation envisagés, on renvoie donc, je l'ai dit, à une opération de requalification dont on pourrait peut-être discuter davantage que le fait Lagroix dans ce papier, afin de savoir si elle est opérée par le chercheur ou par les acteurs eux-mêmes. Il importe en tout cas aussi de considérer les intérêts et les raisons d'agir des personnes disposées à effectuer cette requalification. La politisation des thèmes ou des problèmes peut être souhaitée par des acteurs politiques spécialisés dans la mesure où elle contribue d'une certaine manière à accréditer la croyance en la nécessité de l'action politique, mais elle peut aussi être vécue par les acteurs ou par d'autres acteurs comme une nécessité pour voir reconnaître l'importance d'un enjeu, et on peut penser ici à la politisation de l'écologie par exemple.
À terme, nous dit encore Lagroix, c'est bien de la définition et de la légitimation, au mieux de la production d'un ordre politique dont il s'agit, ce qui constitue donc bien le cœur de nos préoccupations au sein du LABEX. Il faut ainsi s'intéresser au travail social de légitimation, de justification, ou au contraire de contestation ou de délégitimation, inhérent au processus de politisation produit par et dans les groupes sociaux, et qui constitue des moments privilégiés de lutte sur la catégorisation et le classement des activités humaines et à ce titre prennent place dans des problématiques de sociologie proprement générale. Les processus de politisation nous intéressent donc tous, me semble-t-il, au-delà de la diversité des aires politiques ou des périodes, ou plutôt grâce à la richesse que pourra produire la confrontation entre des spécialistes d'aires politiques, de périodes et de disciplines différentes. Donc ils nous intéressent parce qu'ils interrogent la stabilité des frontières instituées et institutionnelles entre politique et non-politique, et peut-être aussi entre chercheurs sur le politique et sur d'autres aires. Ils nous intéressent parce qu'ils s'intéressent au sens que les acteurs accordent à leur pratique et à leur qu'il leur donne. Il nous intéresse aussi parce qu'il renvoie aux sources et aux conflits de légitimité relatifs à l'accès aux espaces publics ou aux fonctions de pouvoir dans les diverses sociétés que nous analysons. Ces divers questionnements seront abordés dans TEPSIS au travers de trois chantiers. Voilà, ils doivent être là, au sein desquels seront mobilisées une diversité de méthodes, croiser différents espaces et temporalités et dont surgiront, nous l'espérons, des débats, des controverses fructueuses. Une première orientation de recherche consiste à tracer les catégories et les dispositifs, à faire en quelque sorte leur généalogie de ces catégories et dispositifs qui ont participé historiquement à la constitution de ce champ contemporain du handicap, à analyser leur transformation et à pointer les différents déplacements qui se sont produits depuis l'émergence d'un droit moral puis social à l'assistance des personnes qui ne pouvaient subvenir à leurs besoins par leur travail. Alors, si on s'en tient au XXe siècle, et c'est déjà une entreprise d'envergure, on peut dire très rapidement que cette période marque la fin d'une exonération du travail, avec la généralisation à toutes les catégories d'infimes du principe de réadaptation, qui va donc viser la normalisation des personnes et leur retour à la productivité. Et il faut préciser que les premiers collectifs de personnes handicapées qui se sont constitués dans l'entre-deux-guerres ont réclamé, ont revendiqué cet accès à la réadaptation qui n'était à l'origine ouvert qu'aux mutilés de guerre d'abord, puis aux accidentés du travail. Alors, dans les années 70, on a vu naître des collectifs d'un genre nouveau, qui ont d'ailleurs été relayés dans la sphère académique par un champ d'études qu'on a appelé, assez hétérogène, hein, qu'on a appelé les Disability Studies, et qui ont requalifié l'expérience du handicap comme oppression sociale, comme identité minoritaire, et qui en ont situé l'origine, non plus sur la personne et son organisme défectueux, mais dans l'environnement, compte tenu de barrières physiques et sociales. Alors, ce mouvement s'est rapidement internationalisé et il a eu un impact important. Et aujourd'hui, on peut dire qu'au XXIe siècle, les personnes handicapées sont devenues des acteurs, des experts incontournables de leurs propres conditions. Elles participent aux redéfinitions de leur expérience, notamment dans les classifications de l'OMS, hein, et elles participent également à l'élaboration de conventions, recommandations, législations nationales, supranationales et internationales. Et dans ce contexte, une loi a été promulguée en France en 2005, hein, qui refonde donc la politique du handicap. Son intitulé, c'est donc la loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et vous voyez qu'il révèle les déplacements qu'elle opère, tant au niveau des référentiels que des dispositifs qui sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Alors, on peut citer quelques-uns de ces déplacements. Au principe de solidarité nationale et d'intégration, elle substitue celui de non-discrimination, on a déjà entendu, hein, qui est le garant donc de l'égalité des droits et des chances qu'elle promeut. À l'objectif de réadaptation, se substitue un objectif de participation aux différentes institutions et sphères de la vie sociale qui se doivent désormais d'être accessibles à tous. À la logique administrative de prise en charge fait place une logique de service au centre desquels se trouve la personne, et ces services doivent répondre à des normes de qualité et de résultats.
Et enfin, à l'allocation de ressources compensatoires qui, dans les années 70, à partir des années 70, était calculée sur un taux d'incapacité objectivé, eh bien, cette logique disparaît au profit d'un droit à compensation du handicap qui est assorti d'une prestation, mais cette prestation est calculée désormais sur les aspirations de la personne et sur son projet de vie, donc des formes de compensation personnalisées. Alors, une deuxième ligne de questionnement concerne bien sûr la manière dont ces évolutions vont en retour transformer les cadres de l'expérience et requalifier de nouvelles subjectivités. Les pratiques de réadaptation qui reposaient donc sur des techniques de réparation des corps, d'entraînement à l'effort, souvent assorties d'une psychologisation de l'expérience. Le handicap était considéré comme une épreuve qu'il fallait surmonter en développant des capacités de persévérance, de volonté. Et donc la réponse à l'épreuve était considérée comme binaire, on surmonte ou on ne surmonte pas son handicap, et tendait à produire des victimes ou des héros, ce qu'ont d'ailleurs dénoncé les personnes handicapées. Alors pas les victimes d'aujourd'hui, pas celles qui s'organisent pour revendiquer et pour accéder à réparation, mais des victimes passives en retrait de la société. Alors on peut se demander ce qu'il en est aujourd'hui, où l'injonction dominante n'est plus tant d'être comme tout le monde ou de faire comme tout le monde, mais plutôt justement d'être soi-même et de développer un projet singulier. Et de fait, les personnes handicapées sont beaucoup moins présentes dans les institutions. Elles circulent aujourd'hui dans des dispositifs de plus en plus complexes, qui sont différents selon les périodes de la vie. Elles doivent s'y orienter, y faire des choix, elles doivent connaître leurs droits pour pouvoir les mobiliser, elles doivent négocier avec des acteurs différents, de plus en plus nombreux, et elles doivent également s'approprier des procédures et des objets souvent complexes. Alors on peut se demander effectivement quelles formes de subjectivité se construisent à travers ce nouveau type d'épreuve qui n'est plus centré sur l'alignement au comportement de l'homme moyen, mais plutôt sur la capacité à produire ses propres normes. Voilà donc un peu l'illustration que je pouvais vous apporter. Je conclue en précisant que 3 équipes de TEPSIS sont depuis peu engagées dans un projet de recherche qui adopte cette double perspective, transformation historique des catégories et impact sur l'expérience et subjectivité. Donc applique cette double perspective au principe de l'école, de nouvelle école qu'on appelle aujourd'hui inclusive. Et on s'est demandé à quelques-uns qu'est-ce qui pourrait être, en plus des chantiers qui viennent d'être présentés, qu'est-ce qui pourrait être le plus, qu'est-ce qui pourrait être une opération transversale. Alors on était un peu déprimés, il pleuvait, il faisait très froid, on se demandait bien comment faire. Et puis d'un coup, on a eu un certain nombre d'idées, mais surtout on avait un certain nombre de défis à relever. Le premier défi, c'était de montrer les richesses et les spécificités de chacun de nos centres de recherche, sachant, bien entendu, vous l'avez compris, on vous l'a dit et répété ce matin, nous avons des disciplines, un éventail de disciplines extrêmement important, et nous travaillons les uns et les autres sur des aires culturelles qui représentent à peu près toutes les régions du monde, ce qui était évidemment une difficulté. Et quand je dis montrer, ça voulait dire montrer à la fois à nos pairs, montrer aux étudiants, à ceux qui sont en train de se former, mais aussi, c'était un des objectifs qui est dans le projet de valorisation, pouvoir montrer en dehors, je ne sais pas, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle généralement assez mal le grand public cultivé. Ça, c'était le premier défi, sachant bien sûr qu'une des difficultés, c'est que nous avons beau avoir des disciplines, nous avons beau être nous avons beau être proches, nous avons quand même des spécificités centre de recherche par centre de recherche. L'idée également, c'était de montrer ce qui nous était commun, ce qui nous unissait. Et puis enfin, de trouver un moyen, alors que ces dispositifs sont des dispositifs très lourds, très éloignés des chercheurs au quotidien, de trouver un moyen d'impliquer chacun des membres de TEPSIS, beaucoup, peu, en tout cas comme ils le souhaitaient, mais de trouver un moyen pour chacun de s'y implanter. Donc l'idée est venue d'aller chercher dans les exemples qui nous motivaient, ou qui nous avait inspiré un temps, de trouver des exemples. Les premiers exemples sont venus d'opérations prestigieuses, étrangères, d'universités ou d'écoles au sens intellectuel étrangère, et on avait en tête 3 choses principalement. L'histoire des concepts de Koselleck,
l'encyclopédie de philosophie analytique de Stanford, et puis la collection fondée par Skinner et d'autres autour de l'école de Cambridge et de la collection de textes organisés par l'école de Cambridge. L'autre modèle que nous avions en tête, c'était des modèles plus près de nous, c'est-à-dire des événements intellectuels qui avaient été fondateurs ou refondateurs, qui étaient par exemple l'histoire de la France urbaine ou l'histoire de la France rurale. C'était ce genre de choses qu'on avait en tête, ou plus récemment les volumes de Faire de l'histoire. Donc c'est comme ça qu'on a fini par se dire qu'il fallait trouver un moyen de montrer nos points communs, c'est-à-dire que nous faisons bien ensemble des sciences sociales et historiques fondées empiriquement sur le terrain, sur les archives, sur les statistiques. Et donc notre idée, c'était de faire quelque chose qui serait l'équivalent de ces projets Stanford, Koselec, etc., mais du côté des sciences sociales, historiques et du politique, empiriquement fondées. Donc, il en est sorti l'idée qu'il fallait montrer ce que nous faisons, montrer comment nous le faisons, avec les controverses qui parcourent nos disciplines, avec les relectures qui sont notre lot quotidien, les relectures de grands textes, par exemple. Voilà. Et le titre a été une manière de montrer notre parti pris, c'est-à-dire faire le point sur le savoir en sciences sociales, mais le faire de notre propre point de vue, c'est-à-dire en s'autorisant à trier et en s'autorisant à dire ce qui était, on pourrait dire, centre de recherche par centre de recherche, nos propres spécificités, ou comme on le dit, mais là je ne vais pas entrer plus dans l'architecture, je vais dans un instant laisser la parole à Bruno, montrer ce qu'est notre marque de fabrique. Le but de cette encyclopédie, donc, c'est de fournir une encyclopédie en ligne, en libre accès, à la recherche telle qu'elle se fait effectivement dans nos laboratoires, et à cette recherche mise à l'épreuve de cette confrontation que je vous ai décrite. Nous avons pensé pour l'instant à cinq rubriques qui semblent déjà établies au terme des séances qui ont eu lieu, même si elles sont encore flottantes dans leur dénomination. Hein, leur dénomination, et donc du coup aussi leur circonscription exacte, n'est pas parfaitement arrêtée, mais on voit à peu près pour ces cinq rubriques de quoi on parle à chaque fois, et on arrive à les distinguer. La première rubrique, on l'a appelée la rubrique « outils », concept outil, l'idée étant justement de ne pas produire une encyclopédie dans laquelle on aurait des concepts attendus et conçus comme des essences ou des idéalités qui permettent de saisir le politique, mais plutôt les outils à travers lesquels, avec lesquels le politique est abordé, saisi. À l'intérieur de nos laboratoires, et donc à travers cette rubrique, il s'agit aussi d'être en prise vraiment sur la recherche en train de se faire. Seconde rubrique, on l'a appelée, après avoir beaucoup hésité, alors la première hésitation c'était sur domaine, objet. Finalement, on aboutit à une formule mixte qui serait construction d'objets, hein, où donc on se déplacerait du point de vue de la méthodologique, disons, ou épistémologique exprimée dans la première rubrique, à un point de vue plus descriptif. Et plus en prise sur la façon dont les objets sont construits. Troisième rubrique, une rubrique qu'on a appelée controverse. L'idée étant que on peut identifier des controverses marquantes qui nous permettent de problématiser depuis chaque point de vue des laboratoires la façon dont dans le champ des sciences sociales, le
champ des sciences sociales et historiques, une controverse déterminée, une question déterminée a amené, a conduit à projeter un regard sur le phénomène politique qui n'était pas possible sans cette situation de conflit, on va dire. Quatrième rubrique, la rubrique référence, l'idée étant non pas qu'on aboutisse à un catalogue des grands textes qui nous servent et qui seraient notre canon pour aborder le politique, mais l'idée étant que ces textes, des textes, ne cessent pas de nous servir, c'est-à-dire aussi de susciter des relectures qui en sont à la fois des réinterprétations et de nouveaux modes d'opérationnalisation de ces textes. Donc, on prend des textes, mais on les prend dans leur réception et dans la continuité ou les discontinuités aussi qui peuvent apparaître de leur relecture. Cinquième rubrique, alors elle a posé beaucoup de problèmes, celle-là, on avait commencé par l'appeler incidence. C'était joli, mais ça ne marchait pas. Alors, l'idée était que dans le contexte historique, quelque chose sollicite le chercheur en sciences sociales dans la situation historique particulière ou socio-historique particulière à laquelle il est confronté, quelque chose le sollicite, qui l'amène à problématiser de façon nouvelle ces objets. On s'achemine plutôt vers une rubrique qui prendrait ce qui serait de l'ordre des conditions d'émergence des problématiques en sciences sociales. Conditions socio-historiques d'émergence des problématiques en sciences sociales et historiques du politique. Voilà. Alors maintenant, je passe aux rubriques en discussion. Elles sont en discussion. Elles ont même été, leur date de naissance est toute récente, puisque je crois qu'elles ont émergé lors du dernier séminaire qui s'est tenu de l'encyclopédie. Une rubrique qu'on a appelée « circulation », où la question de l'apport des aires culturelles serait prééminente, en fait, et où on s'interrogerait sur la façon dont des concepts circulent dans les deux sens, ou dans tous les sens, et sont élaborés depuis les aires culturelles et se répercutent dans différentes disciplines. Et enfin, une dernière rubrique, alors c'est celle sur laquelle je suis le moins à l'aise pour parler parce qu'on en a très peu parlé, c'est une rubrique que pour l'instant on appellerait « engagement », et qui se chargerait d'exprimer ou de rendre compte de, une chose très simple, des raisons pour lesquelles un chercheur se sent requis par un certain type d'objet et du choix lui-même coloré, infléchi politiquement de ses propres terrains de recherche. Une dernière rubrique, alors, une rubrique que je n'ai pas déclinée au même niveau que les autres, parce qu'elle a déjà été discutée, elle peut considérer être comme pratiquement établie, mais sa mise en œuvre pratique pose des questions. Je l'ai décrochée des autres. C'est une rubrique qu'on appellerait confrontation ou critique. Elle est difficile à mettre en œuvre, vous allez comprendre pourquoi, parce que au fond, elle se chargerait, cette rubrique, de donner un espace de discussion des entrées elles-mêmes.
Autrement dit, ce serait un espace où serait ménagée la possibilité de revenir de façon critique sur ce qui a été travaillé à l'intérieur de l'encyclopédie sur telle ou telle autre rubrique. Alors cette rubrique, je dis que sa mise en œuvre est difficile parce que évidemment elle suppose qu'un travail a déjà été élaboré, elle suppose que on se situe à une temporalité assez avancée de l'histoire de l'encyclopédie. Cela dit, il est très important pour nous de déjà penser sa présence à l'intérieur du dispositif. On voudrait mettre à disposition des lecteurs, des usagers, comme on dit maintenant, des ressources différentes de celles des entrées, du type dossier de la notice, donc accroché à chaque notice, dossier de la notice, avec iconographie, carnet de terrain, éventuellement, et des vidéos et des entretiens, ce qui rend la question technique de la production du site assez compliquée à mettre en œuvre. Il s'agit de savoir avec qui on va travailler pour pratiquement rendre possible ce projet. Voilà, le comité de rédaction dont je vous en ai déjà parlé, en fait, il s'agira de le faire au cours de cette année, donc je vous encourage, pas simplement à mobiliser vos chercheurs et à vous mobiliser vous-même pour venir participer à ce séminaire, mais à faire que cette implication soit durable. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un certain temps, ben, la liste des rédacteurs, de ceux qui participent au comité de rédaction, sera arrêtée.